Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette, un grand classique, hein, du sauté de porc au cidre. Donc j'ai déjà fait plusieurs recettes de sauté de porc. Le sauté de porc, c'est pas cher, donc je trouve ça intéressant de vous montrer des idées de recettes à un prix, surtout en ce moment, hein, à un prix assez faible, hein, comme quoi on peut se faire plaisir avec pour pas trop cher. Donc du sauté de porc avec un peu de cidre, des oignons, point. Avec du riz, avec des pâtes, voilà, tout simplement. Allez, on passe tout de suite à la liste des ingrédients. Alors, pour cette recette, il nous faut 1 kg de sauté de porc, donc je les ai déjà dégraissés. Il nous faut 3 oignons, je les ai déjà émincés. Il nous faut une bouteille de cidre. Donc là, moi j'ai pris du brut, parce que ça va déjà être un peu sucré salé. Si vous adorez le sucré salé, n'hésitez pas à prendre une bouteille de doux. Et il nous faudra un petit peu de moutarde, un petit peu de crème liquide, du thym, du laurier, sel, poivre. C'est tout. Allez, on est parti. Donc on a pris une cocotte en fonte ou une sauteuse. On y a mis un petit peu d'huile. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va y faire revenir nos morceaux de viande. Donc il faut qu'ils soient colorés de tous les côtés. On met pas tout, on va le faire en deux fois. Ça sera plus simple. Donc là, notre viande, donc ça c'est la deuxième tournée, est bienvenue. Je débarrasse. Et je vais faire revenir mes oignons. Donc j'ai pareil les oignons. On va les faire revenir 2-3 minutes. Voilà, ils ont déjà pris une belle couleur. Donc là, ce qu'on peut faire, je ne l'ai pas dit dans les ingrédients, si vous avez un petit peu de colza pour déglacer. Je vais prendre une cuillère en bois et on va aller gratter tout ce qui est au fond. Tout ce qui est attaché, tout ce qui va donner du goût. De toute façon, si vous ne le faites pas, ça va attacher la cuisson. Après, si vous n'avez pas de colza, vous prenez une petite goutte d'eau, hein. Ça gêne pas. Hein. Allez, on y rajoute notre viande. On va y mettre une cuillère de moutarde. Une c'est bien, c'est juste pour casser un peu le côté sucré. On va déboucher les bouteilles de cidre. Allez. Et on mouille. Donc on doit être à peu près à hauteur. Si jamais il vous manque un peu de cidre, complétez avec un petit peu d'eau. Et moi ça va être bon, ça va être pile poil bon. Donc là si vous avez, vous rajoutez laurier, un peu de thym si vous en avez. Et on est parti pour... Allez, moi je vais le laisser mijoter une bonne heure et demie à feu doux. Alors voilà, ça fait une heure et demie que ça cuit. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais débarrasser ma viande. Et je vais faire réduire ma sauce. Donc là, ma sauce a bien réduit. Alors je vous coche pas que j'ai triché un petit peu. Elle est un peu trop liquide. Alors j'ai mis un peu de maïzena. Là... Je vais légèrement crémer. Donc j'ai mis la moitié, j'avais mis 12 centilitres environ. Et là, on va pas oublier de saler et de poivrer. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre notre viande dedans.
qu'elle soit bien imbibée. Hop. Et un dessert. Et ça va être délicieux. Allez, on passe au dressage. Et voilà le résultat. Donc vous voyez, du bon sauté de porc avec une petite sauce légèrement sucrée. Donc vous vérifiez bien l'assaisonnement à la fin, sel, poivre. Et puis voilà, c'est tout simple. C'est tout simple. En plus, ce sauté de porc, bah, c'est pas trop cher. Donc ça permet de faire des bons petits plats mijotés pour pas grand chose. Allez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes. Bisous, bisous!